connais pas. Pour ça que j'apprécie que vous puissiez nous retrouver sur Telegram, Réservoir Live. Et tous ceux qui sont bloqués dans mes directs, ce sont des fautifs. Et on n'est pas en démocratie sur mes directs. Il n'y a pas de démocratie. Surtout pas sur mes directs. Si jamais on veut te bloquer, on te bloque, tu peux pas revenir. Vraiment pas. Et après, je parle de censure. Ouais, mais bon, t'as pas l'esprit assez vaste pour comprendre la différence. C'est pas une censure. On n'est pas en démocratie sur mes directs. Si je veux, je te bloque, tu reviens plus, c'est tout, c'est comme ça. C'est pas justement, tu peux venir, tu peux t'installer, tu fais ce que tu veux. Non, il y a des règles. Après, vous mélangez censure quand on vous bloque. Non, mais si t'as été bloqué, il y a une raison. Et puis, on va pas remettre en question ce que font les modérateurs, s'il vous plaît. Voilà. Une petite météorite détruit des satellites de communication et c'est la débâcle sur Terre à vouloir mettre tous ses œufs dans le même panier. T'as raison, on va envoyer une partie de nos œufs sur Mars. Amal, bonjour. Oui, tu me dis que je connais la tech. Enfin, pas seulement, mais pas entièrement. Une partie, certains morceaux, on ne connaît pas tous. Pour ça, je vous dis, venez nous retrouver sur Telegram, Réservoir Live. Vous avez la possibilité d'envoyer du contenu et on peut le consulter. Bonjour Steph. On peut consulter le contenu. Enfin, vous pouvez le relayer, je peux le consulter, d'autres aussi. C'est une possibilité de ne plus être chez les GAFAM forcément tout le temps. Voilà pour Telegram, Réservoir Live. En attendant, il nous reste encore quelques minutes avant des lives. Profitez. Hein. Tu poses ta candidature, elle ne sera jamais reçue. Tu ne seras jamais validé. Jamais, jamais, jamais. Et je ne suis pas animateur télé, je ne suis pas là pour me faire aimer, ni pour me faire détester, forcément par tout le monde. Mais voilà, c'est comme ça. Et parce que sinon, il faut être hypocrite. Ne nous confondez pas quand même. Hein. S'il vous plaît, hein. je m'entraîne pas pour être animateur, hein, pour passer à la télé. Sinon, je vous dirais, je vous aime tous. Ok, on y va. Excusez-nous, on n'a pas fait exprès. Je m'amuse beaucoup de la communication humaine avec tous ceux qui peuvent faiblir, être sérieux dans leurs propos, se prendre au sérieux. C'est bien d'être sérieux, mais se prendre au sérieux, c'est pas bon. Après, vous êtes dans une croyance encore. On l'est tous, hein, mais bon, y a des croyances qui sont bonnes pour vous et pas d'autres. Hein. Ça dépend, hein, pour vous. Hein. C'est pour ça que quelque part, on n'est pas chez les gourous et chez les fidèles. On est avec du bien comme du mal. Ça peut être bien pour toi, ça peut être mal pour nous, ça peut être mal pour moi. Et vous êtes tous dans des croyances, on est tous dans des croyances, mais on n'est pas chez les gourous et chez les fidèles. C'est-à-dire que tu peux avoir un truc bien pour toi, mais tu te le gardes. Sinon, on n'en veut pas, on n'en veut pas. On peut pas tout partager, on peut pas tout donner. Hein. Après, si ça plaît pas, ça plaît pas. C'est comme ça. Voilà quoi. Bon, il y en a qui confondent. Hein. Confondez pas. Hein. Ici, c'est pas la télé. Ici, c'est la possibilité justement de dire ce que tu as envie de dire, ce que tu penses. Et si jamais c'est pas forcément bien vécu, tu te reprends peut-être un petit coup de boomerang dans la tête. Tu m'as envoyé ça, je t'envoie ça. Et patati patata. Merci Marie-Laure. Je réponds à Facebook, je réponds un petit peu à YouTube. YouTube, je réponds à Facebook. Le rôle d'un modérateur, ça dépend des règles. Ça dépend de ce qu'on veut ou pas. Ici, pour les majuscules, c'est pas possible. Et le mieux, c'est de ne pas justement troller ou vouloir détruire les échanges qui se font dans un direct. Pour respecter un petit peu ce qui se dit. Voilà, mais après on peut tout dire. Mais bon, moi perso, je parle d'un sujet. On peut pas tout dire sur YouTube ou Facebook, mais il y a un titre, il y a un sujet. Après, je pars justement sur la transformation de la France et tout ce que nous pourra plus reconnaître prochainement. Je dis les moutons, mais moi aussi, je suis dans le système. On est tous dans le système. Et quand je dis les moutons, ça ne veut pas dire que quand je dis les moutons, c'est tu dois te reconnaître dans le mot mouton. Je ne suis pas là pour t'insulter, je ne sais même pas qui tu es. Beaucoup pensent que je suis un agent du système, mais moi je pense que tu ne l'es pas. D'accord. Ça c'est sympa ça. Ouais, ben bon, faut laisser penser les gens, des fois ils pensent pas bien. Ils pensent bien pour eux peut-être, mais pas forcément bien pour une réalité qui n'est que la leur, mais pas une réalité concrète ou quoi que ce soit. Le fantôme de l'écran, tu m'as déjà posé la question, j'ai déjà répondu. Retourne en replay pour aller consulter la réponse. Allez hop, 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 hop.
Alors j'ai pas fait un temps fort ou j'ai fait un temps fort?